Je suis Sonia Charbonneau, j'ai 30 ans, je suis née à La Réunion, de parents d'ailleurs et de classe moyenne. J'assume ce qui m'a été donné d'être, une femme, créole, lettrée à l'école publique, soumise aux lois françaises, citoyenne du monde, sensible et consciente. J'ai choisi d'être artiste plasticienne, maman célibataire et heureuse. Je mène ma vie comme je l'ai rêvé enfant, souvent dehors, proche et à la rencontre des autres. Je regarde et écoute les histoires que me raconte mon île natale. D'ici, je fabrique mes images, mes histoires, mes moments, et j'ai la merveilleuse chance de pouvoir les partager à travers ma profession vocation. Mais je suis aussi ce que je n'ai pas choisi, une travailleuse précaire, à l'emploi du temps chargé, débordée par les tâches quotidiennes, retenue sous des numéros dans les nébuleuses administratives, et souvent bâillonnée par le manque de temps, de moyens et d'opportunités. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que je m'en sors plutôt bien comme adulte responsable, de bonne volonté et pas gros cœur comme on dit ici. Ce pouvoir de résilience, je l'ai acquis le long de mon parcours fastidieux vers l'affirmation de ma créolité. D'abord évidente sous le prisme de mon métissage filial, j'ai compris très jeune que j'étais un être singulier, ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, ni même café au lait, comme mon père aimait dire. Je sentais que j'avais toutes ces nuances en moi, sans me demander comment elles étaient perçues par l'autre. Puis, il y a eu l'après-bac, l'envol du pétrel, comme j'aime dire, ce moment où je me suis échouée sur les villes en y voyant les étoiles. Aller en France, sauter la mer, était une délivrance pour moi, la jeune fille des îles, qui n'y voyait que ses bords et ses limites. C'était un moyen de m'intégrer enfin dans ce grand monde, lu, vu et entendu, miroitant réussite sociale et professionnelle. Je me suis trouvée là-bas, au cœur de la France étudiante pauvre, cloîtrée dans un appartement miteux et hors de prix, n'ayant parfois pas d'autre choix que de négliger les études pour remplir les rayons d'un supermarché et payer mes loyers. J'ai été jusqu'à abandonner mes ambitions, mon foyer, mes amis et ma famille, jusqu'à ma ligne téléphonique, pour vagabonder quelques mois loin de tout, complètement abasourdi par la complexité de trouver ma place et ma mission dans ce monde. Ayant passé 3 fois le concours des Beaux-Arts, j'ai intégré l'école de Bordeaux dans un mélange de crainte de ne pas assez bien faire et l'ultimatum de la dernière chance, celle d'obtenir un diplôme d'études supérieures. Cette situation m'aura appris que ce que l'on veut n'est pas toujours ce que l'on peut, à coup de difficultés d'intégration sociale, de négligence de certains enseignants et du fossé culturel me séparant de cette institution et de cette métropole où l'on paierait presque son air à respirer. Être discrète et travailleuse m'ont permis de m'échapper à la fin de mon redoublement en deuxième année, sous les conseils éclairés d'un étudiant approuvé par les enseignants. Tu n'as qu'à retourner dans ton pays si tu n'es pas bien ici. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée d'où je viens pour finir mes études, saisir enfin mes spécificités et obtenir mes 2 diplômes avec les félicitations du jury. Je vous parle d'ici, pas loin de chez moi, de mon petit appart au bord du lagon, où je vis seule avec mon fils de 2 ans. La vie peut sembler douce vue d'ici, si je vous raconte comment j'aime courir sur la plage le matin, regarder le soleil se coucher sur les boucles d'or de mon enfant, après l'avoir récupéré à la crèche. Mais ma vie est multiple et mes ambitions souvent en conflit avec mes responsabilités à gérer au quotidien. Autrefois, j'étais seule au monde, je voulais partir n'importe où ailleurs et saisir de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'insérer au mieux dans cette société et de construire mes propres opportunités en professionnalisant mon travail d'artiste, quitte à vivre modestement en préparant des jours meilleurs. Le prix de cette misère, peut-être moins pénible au soleil, est tout de même celui de la vie chère, des heures entières perdues quotidiennement dans les embouteillages, dans les files des administrations sociales, de ces longues périodes sans revenus, du climat économique et social aussi menaçant que les tempêtes à venir de par le monde. Dans cette appréhension quotidienne de lendemain incertain, j'ai choisi d'agir de la façon la plus intègre possible, en faisant ce métier qui me plaît, dans lequel je me sens utile pour cette société, comme il me permet d'assouvir mon besoin d'être hors du monde. Être artiste me permet d'incarner les 1000 postures de ma créolité. Agir chaque jour en conscience, c'est d'abord répondre à ce profond besoin d'affirmation de soi, ce que je fais ici.
J'aime vivre ici. Pas parce que je ne suis pas aventurière, puisque je me laisse surprendre chaque semaine par les paysages et les personnes que je rencontre sur ma route. J'aime vivre ici parce que cette île me ressemble. Elle peut être au même moment au soleil et sous la pluie, dans une modernité effervescente et le silence des lieux où il ne se passe rien. Cette diversité fait la richesse de notre société, à la fois insulaire et ouverte sur le monde. J'apprends tous les jours dans mon travail à distinguer ces espaces, rencontrer des personnes ressources, à partager et mettre en valeur ce patrimoine immatériel du vivre ensemble. Observer, prêter écoute à ce tout monde, mais aussi en faire partie, en lui restituant sa poésie alternative, comme ma part du colibri. Cette part pour la planète est d'entretenir une empathie profonde envers le monde, réaffûter la conscience de nos limites, préserver nos ressources et prendre nos routes et nos combats à mener. Mon engagement est d'abord celui de garder les yeux ouverts sur mon environnement, tout en motivant celui dont j'ai envie pour demain. Un partage plus juste et respectueux des richesses et du savoir, une réelle bienveillance et équité entre les individus, vers une réappropriation collective du pouvoir d'agir et de construire ensemble. Je m'adresse avant tout à ceux qui, comme moi, cherchent perpétuellement des réponses dans ce qui nous échappe, la mémoire, le temps, les rêves, être seul parmi les autres et les ailleurs. Mes actions vont à l'encontre de l'uniformisation réductrice des modèles économiques dominants, en favorisant la prise individuelle de parole partout où elle peut améliorer les possibles. Une grande partie de mon travail est d'ouvrir les voies de la tolérance des singularités, de la diversité des parcours et, dans l'absolu, témoigner de ce qui peut encore nous unir dans cet état de mondialité. En intervenant auprès des publics par le biais d'ateliers d'écriture et multimédia, je souhaite avant tout passer aux autres mon envie de témoigner mon existence, affirmer ses forces et aussi ses faiblesses. Ce que je veux saisir, c'est le pouvoir résilient potentiel en chacun de nous, celui qui sommeille dans nos quotidiens, ces petits riens qui suivent le cours de l'histoire sont aussi ceux qui la font. Mes engagements sont personnels quand il s'agit de répondre à mes propres contraintes d'insatisfaite insoumise, mais m'adresser à mes pairs me rappelle la multiplicité des actions possibles pour cette collectivité où chacun a sa place. Je mets mon travail au service de la différence et au droit d'être soi-même. Mes modes d'engagement sont avant tout d'affirmer mes propres positions et travailler de la façon la plus intègre possible. Je m'entoure de personnes qui me sont bénéfiques sur des projets altruistes et valorisants pour une communauté qui englobe les nantis comme les démunis. Mon objectif est de partager les savoir-faire et redéfinir nos perspectives vers une conscience plus juste de notre environnement, qu'il soit familial, social, culturel ou spatial. Actuellement en résidence à l'ERCA, espace de recherche et de création en art actuel, je développe un projet de documentaire fiction, BECAS, qui évoque d'abord le déplacement, mais aussi l'appropriation individuelle d'un territoire à travers le personnage principal que j'incarne, la Ronneuse. Pensée comme une allégorie de la ville, elle remonte dans sa course les hauteurs de l'île en suivant ses veines urbaines jusqu'au quartier excentré. Ce projet est un véritable tremplin pour mon travail. Il me permet d'aller à la rencontre des habitants et d'observer avec eux les ruptures et les cohésions du vivre ensemble entre tradition et modernité. Ce projet de film est d'abord une enquête plurielle et artistique sur le paysage social réunionnais. Mené en collaboration avec Maëva Turel, notre travail s'articule autour de la mémoire individuelle et collective face à l'urbanisation galopante de nos paysages et ses conséquences sur nos modes de vie. Nous enregistrons ces témoignages à des fins documentaires mais aussi artistiques, ces rencontres nous permettant de mieux situer notre travail en étant au plus juste des messages délivrés. BECAS, de béquer, tracer, saisir l'opportunité, prendre sa route, être là où on est et ouvrir des perspectives. Une part de moi a envie de répondre non. Je ne crois pas en l'égalité des hommes et des femmes, bien que je sois fière des combats qu'ont menés nos mères autrefois pour cette idéologie qui prône l'égalité des sexes. Mon autre part, celle de mère active et célibataire, me dit que oui. Quelque part, je suis féministe, car je me bats tous les jours pour avoir ma place dans cette société en mutation. J'accorde bien plus d'importance à faire valoir mes droits et mes opinions plutôt qu'à me battre pour me prouver égale à l'homme. Je suis une femme modeste et ouverte. Je ne serai jamais un homme blanc, cinquantenaire, riche à Rolex. Et même si je gagnais au loto, je ne changerai mon parcours pour rien au monde.
mon but étant avant tout de vivre heureuse, d'avoir toujours la force de me relever de mes chutes, d'évoluer avec et parmi les autres, sans trahir mes convictions pour de l'argent ou du pouvoir. »